Nous allons passer maintenant au réglage des patins et vérifier l'usure des patins. Partez avec des patins neufs, surtout pour une étape de montagne. S'il pleut, vos patins vont s'user deux fois plus vite et mi-parcours, vous allez avoir plus de freins, plus de patins. Vérifiez en passant le doigt dessus qu'il n'y ait pas de petits cailloux qui soient incrustés dedans, autrement vous allez rayer toutes vos jantes. Vérifiez que vous avez bien les bons patins avec les bonnes roues. Patins carbone pour des roues carbone, patins aluminium pour des roues aluminium. C'est très important en cas de pluie, car autrement vous n'allez pas avoir de frein. Nous allons passer au réglage des patins sur la roue. Vérifiez que le patin, lorsque vous freinez, le patin ne soit pas trop haut et ne vienne pas toucher le pneu. Car là, vous allez complètement exploser le pneu. Pour un bon freinage, pensez à mettre du pincement au patin. Les patins doivent toucher d'abord devant et ensuite à l'arrière. Pour ceci, petite astuce, mettez une carte de crédit avant de faire votre réglage. Desserrez le patin, freinez et resserrez. Vérifiez toujours la hauteur, que le patin ne soit pas trop haut. Et serrez un petit peu. Et là, vous avez le pincement. Le patin vient d'abord toucher devant avant de toucher derrière. Et là, vous aurez un freinage beaucoup plus progressif et plus puissant. Et moins de bruit.